Des médailles militaires pour la section de Stenay, Tain. Drapeau de l'UNC de Stenay, gagné vos emplacements. Ouvrez le banc. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Messieurs les porte-drapeaux, René Lémec, Joël Fourreau, Alain Le Soil, gagnez vos emplacements. Monsieur René Lémec, nous vous remettons l'insigne des porte-drapeaux pour 20 ans d'élogieux service. Monsieur Joël Fourreau, nous vous remettons l'insigne des porte-drapeaux
pour 10 ans d'élogieux service. Monsieur Alain Le Soile, vous remettons l'insigne de porte-drapeau pour 10 ans d'élogieux service. Pardon. Vont saluer les porte-drapeaux. Messieurs les maires, les maires adjoints, conseillers municipaux, monsieur le président de l'association UNC, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les représentants de la gendarmerie nationale, le curé, monsieur le président de tous les Français, le maire de Saint-Colombe, merci de votre présence, monsieur Robert, médaillé aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers amis. Le 8 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, pour prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes, d'enfants, dont la moitié civile périt. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour qu'en ce jour, nous mesurons l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage et la nécessité impérieuse de le préserver pour que le désastre que fut la Seconde Guerre mondiale ne se reproduise jamais. Merci. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on a cassé un peu notre tirelire, mais pas beaucoup. Mais surtout pour récompenser les enfants, compte tenu de ce qu'ils font tous les ans. Hein, tous les ans, on fait appel à eux, ils sont là, ils viennent pour vendre le Bleuet de France, ils savent de quoi il s'agit, car le Bleuet de France, c'est pas n'importe quoi. On vient en aide aux anciens combattants qui en ont besoin. Et ces enfants, bien managés par la directrice, savent exactement de quoi ils parlent. Et c'est avec beaucoup de plaisir, vous voyez que je suis ému aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais leur promettre le chèque de 200 euros que lui ai dit, je tenais. Alors je vais vous faire un bisou aux petites filles, voilà.
Adrien, président de l'ancien AFM. C'est un plaisir aussi de mettre un chèque et de participer à ce annuel. Merci. Bien, quelques mots suite à la cérémonie. Donc, j'ai répondu favorablement à la demande de Guy Santois et de M. le maire pour venir avec plaisir à Stenay, à la fois pour être à vos côtés et pour remettre une prestigieuse décoration qui est la médaille militaire à un combattant meusien. Avant de lui remettre son diplôme, je voudrais vous dire quelques mots sur la médaille militaire. Tout d'abord, le dernier décret qui vient de sortir au mois d'avril pour l'armée d'active, si vous voulez, il y a à peu près une centaine de jeunes qui sont décorés de la médaille militaire cette année, cités et blessés en opération. Donc là, je parle un peu sous couvert du maréchal des logis chef Kirch, présent du premier chasseur, simplement pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes Français qui se battent à l'extérieur du territoire national, je dirais au Moyen-Orient, en Afrique, au Sahel, et qui payent, je dirais comme vous payez leurs anciens, le prix du sang pour votre liberté, pour notre liberté. Et je tiens que cette journée aussi du 8 mai, quelque part leur soit un peu dédiée, à la hauteur du message qu'a dit M. le maire tout à l'heure, hein, le message du ministre de la Défense relatif à la victoire de 1945. Qu'est-ce que la médaille militaire? Eh bien justement, dans cette transition, la médaille militaire a été créée en 1852 par Napoléon Bonaparte avec comme devise valeur et discipline. Cette médaille militaire, elle a vocation à récompenser les meilleurs de nos soldats, les meilleurs de nos sous-officiers et parfois quelques officiers généraux ou maréchaux. La médaille militaire, je crois que c'est en mai 1852, a été remise à plus de 1000 braves soldats par l'empereur, devant 80 000 de leurs camarades et devant la population française rassemblée pour cet événement. La médaille militaire, c'est 1 200 000, je dirais, français, hein, ou étrangers également, qui ont reçu cette médaille. 950 000 pendant la Première Guerre, globalement, nombre d'entre eux à titre posthume. 300 000 au cours de la Deuxième Guerre, 12 000 au cours de la guerre d'Indochine et 18 000 au cours de la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, vous avez un décret annuel qui récompense de l'ordre de 3000 personnes décorées de la médaille militaire. Environ 10 000 femmes sont décorées de la médaille militaire. Et aujourd'hui, à Verdun, vous avez un adjudant-chef féminin qui reçoit également la médaille militaire. C'est une médaille prestigieuse. Elle arrive derrière la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération. Mais c'est la plus belle médaille du soldat de France. Je tenais à vous le dire. Et un clin d'œil à tous ces anciens titulaires de médaille militaire présent aujourd'hui, je crois que, je dirais, on est toujours très content d'être à vos côtés et de vous regarder avec respect pour ce que vous avez fait dans le service militaire de la France. Merci beaucoup à vous. Ensuite, on va remettre quelques diplômes de porte-drapeau. Petite transition. La fille tout à l'heure de Robert Jalot est merveilleuse là. Ça prouve toute la sensibilité, si vous voulez, à l'égard de nos anciens combattants. Voilà, bravo. Grâce à son dévouement, il participe à la sauvegarde d'un enracinement, je dirais, de la symbolique nationale.
voilà, la présence des porte-drapeaux associatifs est toujours, je dirais, un élément principal de la bonne tenue des cérémonies et un hommage à nos anciens. Voilà, on est... Monsieur Fourneau-Joël, cette distinction récompense 12 années au service des diverses associations patriotiques, président Guy Santoire. Un grand bravo, bravo à vous. Et le soir à la main, c'est 13 années au service de l'association des anciens combattants de Beaufort. Voilà, on peut l'applaudir également. Mesdames et messieurs, la partie protocolaire est désormais terminée. Je vous invite à partager un verre et poursuivre les échanges tout en repensant aux propos du colonel et aussi aux propos de M. le ministre en ce midi. Merci. Merci.